Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan, aujourd'hui on monte le numéro 54 de notre 4L. Alors pour ce numéro 54, c'est le bloc et les commandes de chauffage. Donc voici le bloc et les commandes. Donc ça va être une étape relativement rapide. Nous avons le détail des pièces, notre pas à pas où nous allons installer encore de toutes petites manettes avec notre résultat final. On va regarder les pièces tout de suite. Alors, voici nos pièces. Le bloc du chauffage que voici. Alors, ouais, c'est assez bien fait. Bon, c'est une pièce relativement simple quand même, mais relativement bien faite. Nous avons alors là, alors attention parce que c'est du minuscule. Nous avons une première manette qui est ici, et voici la deuxième. Là, c'est du petit. Allez, on passe au montage. Alors, en étape 1, on vient récupérer notre pièce. Alors, sur un seul côté, vous avez deux trous qui sont forcément pour les deux manettes. La première manette, c'est la plus grande. Celle-ci qui est la 54B. Alors on vient l'insérer, quand on regarde, on vient l'insérer ici. Alors ça reste encore une fois du petit, du fragile, donc allez-y délicatement. Essaye. On le met dans le trou, on appuie gentiment dessus, ça rentre sans problème. Mais alors, vraiment, il faut y aller délicatement. Voilà. Ça reste quand même du détail assez fragile. Donc après, bon, après, ça se retrouve dans l'habitacle. Donc, je pense que, vous voyez, c'est même pas encore assez enfoncé. Il faut vraiment bien l'enfoncer. Mais délicatement. J'ai réussi bien la première fois. Alors là, allez, on recommence, on la présente bien. Il y a un espèce de petit détrompeur, une partie plus épaisse. Voilà, et puis. Alors, si vous avez moi un peu d'ongle avec le bout de l'ongle, mais voilà, appuyez dessus, essayez plutôt avec le tournevis. Voilà, après c'est pas une manette qui va être fonctionnelle, hein, c'est juste un détail. Je vous montre ça. Voilà, on se fait, vous pouvez le voir. Donc voilà, la première d'installer. La deuxième, elle va à cet endroit. Pareil, alors là, elle est encore plus petite. Je me demande si je vais pas prendre la pince pour la mettre, parce que là, ouais, on va prendre la pince, ce sera mieux. Donc, les petites pinces sont vraiment très utiles, car l'avantage c'est que elles sont vraiment très fines pour mettre et maintenir les. Alors je regarde un truc, il me semble quand même qu'il y a un sens. Ouais, alors je sais pas, pour le faire voir, si peut-être en essayant de zoomer,
En fait, là, vous voyez, vous avez un des trompeurs sur la pièce, c'est pareil. Donc celle-là, elle vient sur le côté, en fait. Waouh. Ça relève vraiment de la minutie. Ah, c'est bon. Je sens que le numéro par lui-même est très court, mais alors, pour installer, ça va être très très long. Allez, on recommence. Et vous le croyez ça? Non, ça va pas du tout, du tout, du tout. J'ai vraiment, vraiment du mal à la maintenir et appuyer dessus. En fait, faut faire comme sur l'autre, faut l'enfoncer. Le problème, c'est qu'elle est tellement petite. Même la pince, elle a du mal à l'attraper. On va refaire un essai. Bon, on va prendre en plus de ça, décidément, les lunettes. Ces fameuses petites lunettes loupes qui sont très 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 utiles pour ce genre de petits détails. Alors là, si j'y arrive pas là, je sais pas comment je vais faire. Allez, on est reparti. Hop. Oh là là, ça va, elle a pas été loin. Là, c'est grave. Hein. Vous voyez, quand elle est comme ça, là, elle est en place. Mais alors, pour la faire, la pousser à l'intérieur de la pièce, c'est... Bon, franchement, là, c'est un peu abusé comme détail. À installer. Je suis pas trompé de sens quand même. Ça se trouve, depuis tout à l'heure, j'essaye de le mettre dans un sens et c'est dans l'autre que ça va. Non, j'aime bien comme ça. Donc, avec un peu de lumière, plus de lumière, parce que l'avantage de ces lunettes en plus. Vous avez de la lumière. Ah ouais, je crois que là, ça va être mémorable, ce numéro-là. Je comprends pourquoi il y avait juste deux petites pièces qui se battaient en duel. Que vu la galère que c'est à installer. En fait, à rentrer dedans, mais... j'arrive pas à la fixer, donc je crois que ça va finir par se coller ça. Voilà, en appuyant dessus, on a l'air d'être maintenu. Voilà, donc voici ces deux petits détails. La petite manette qui est un peu tordue, alors je me rappelle pas si à l'origine elle était comme ça, je l'ai déballée ou pas. Et celle-ci. Voilà. Et bien ce sera tout pour ce numéro 54 qui m'aura donné du fil à retordre, surtout la toute petite manette là, qu'on place en deuxième. C'est vraiment minutieux, minutieux, très petit. Et pas évident du tout, du tout. À installer. Donc ce sera tout pour ce numéro 54. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à liker, à vous abonner, à partager. Quant à moi, je vous dis
Ciao, ciao.